même conférence spéciale dans occasion rentrée l'école là ministère communication recevoir mardi 28 d'août là directrice adjointe direction action civique dans ministère jeunesse esport et action civique Nirva Chéri. C'était occasion pour directrice adjointe présenter brigadier action civique yo mission yo à disposition qui prend pour ouvrir l'école là. Moi vite on suivre un reportage à Rachel Saint-Fort et puis Wilson Idoré. Nous avons 20 zones d'intervention qui sont Monatuf, Carrefour, Matissan, Grand Rue, Bloc Stade, Carrefour Feuille, Robélaire, Babélaire, Poste Marchand, Sans Fil, Pétionville, Delma, Croix des Bouquets, Bon Repos, Pont Rouge, Cité Soleil, Route des Dalles, Turgeot, Nazon, Avenue Pouplard. Effectif brigadier, c'est 399. Mais les noms additionnés coordonnateurs avec superviseurs, ils ont un effectif de 487. Pour rentrer dans le brigadier, qui profil vous gagnez? Premièrement, c'est pour de nationalité haïtienne. Pour gagner, pour posséder carte d'identification nationale ou bien vous gagnez immatriculation fiscale. Faut gagner l'âge, faut âgé entre 18 et 21 ans. Faut capable membre d'une association de jeunesse au moins 2 ans pour gagner que vous avez milité là-dedans. Faut capable réussir dans 3e secondaire. Faut juste une bonne réputation dans sa communauté. Dans la communauté pas au côté où vous avez évolué, faut juste une bonne réputation. Avoir de bons résultats sur le plan académique. Parce que nous-mêmes, c'est excellence que nous avons cherché. Et puis, il faut mon en bonne santé. Année ça, ouverture des classes là. Nous gagnons dans tout chef lieu département des appelés de service civique. Des jeunes qui l'a formé, ils ont les appelés de service civique. Ils ont pris formation brigadier à plus quelque chose encore. Donc ils ont là, ils ont même là pour renforcer direction départementale. On y a là pour ouverture des classes. Anissa, ministre la pral, déployé dans la zone de province. C'est seulement un plateau central. Qui pourquoi gagne. Combien a mobilisé pour l'école là? Gagne plus pour chaque côté nous former 200. Chaque côté nous former 99. Et nous comptons renforcer nombre. N'a renforcer nombre parce que gagne qui là en attente qui prend formation qui captain qu'on y a pas fait une diligence pour augmenter moyens non? De façon pour nous capables de mobiliser d'autant plus de brigadiers pour l'ouverture scolaire là. Au tab sur précision, directrice adjointe MJ Sakla Nirva Chéri. L'autre dossier, ministère conditions femmes et droits femmes, organisation Nations Unies pour alimentation et agriculture FAO, dans tête collée avec ministère agriculture, organisé 3 journées atelier en baptême, atelier de réflexion sur le genre et l'insécurité alimentaire. Atelier sa fête pour valoriser travail femmes dans dossier insécurité alimentaire. Catherine Clermont, coordonnatrice programme dans fait qu'on est atelier réflexion ça visé by femme yo place dans travail a fait qui gain pour avec alimentation et puis nutrition Simon micro staff Stéphanie Charles avec Hervé Pierre. Journée jeudi à nous là pour nous parler de gens prise en compte de gens dans la sécurité alimentaire et nutrition son programme de FAO qui fait un partenariat avec le ministère de la condition féminine aux droits des femmes et aussi surtout le ministère de l'agriculture. Pour qui ça le ministère de l'agriculture, c'est parce que nous rendons compte que causer pauvreté, causer nutrition, causer alimentation, femme la donne en pile et travail femme dans le milieu ça, yo pas prendre en compte du tout. Donc pour capable parler pour nous arriver à on l'autre
on l'autre cause au niveau nutrition, nous obligé parler de femmes. Et c'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, nous avons tout le ministère du Commerce et de l'Industrie qui est concerné, le ministère de l'Économie et des Finances qui est concerné, et à un certain niveau, le ministère de l'Éducation nationale. Parce que lorsqu'on parle de nutrition, les enfants sont concernés. Pour avoir une famille place sur notre travail, il y a fait pour capable prendre en considération, pour causer pauvreté, accès à la terre, travail que vous faites, pour capable comptabiliser tout le monde. Parce que effectivement, problème d'alimentation, tout de nutrition, il vient tomber sur moi. Pas pour alimentation qui pique, c'est qui pique stable, pour capable les mêmes puis devant, pas bâtir mon problème. Dans ce qui concerne les caravanes changement, asphalte continue à mettre sous route mon Pilboro pendant toute semaine. C'est le travail ça est rentré dans quatre caravanes changement. C'est même constat sous route Kirkok, Limbé, côté mise en place continue à faire pour mettre asphalte sous toute route là. L'autre dossier travail dans quatre caravanes changement a avancé dans la commune Grand Rivière du Nord. D'après député Jules-Miss Jacques qui te prend comme exemple, travail élargissement et terrassement qu'a fait sur route barrière battant Grand Rivière du Nord à Baron. Nous invitons à suivre un extrait. Actuellement, ça nous a fait là, nous gagnons route et Grand Rivière du Nord barrière battant. Nous gagnons tout route Grand Rivière du Nord Baron. Alors, nous songeons, président Jovenel Moïse, te dit que Jules Miss, ou pas besoin d'inquiéto, n'a fait route Grand Rivière du Nord, rivière juste Baron. Et effectivement, moi, ouais, président, respecte Moul, moi, ouais, que barrière battant à Grand Rivière du Nord, presque asphalté, et il y a des matériels tout qui sous place dans toute route Baron. Donc, nous avons assurance que le travail qui commence à faire pour route. Sorti barrière battant pour arriver juste Baron. Et président te dit nous tout, la fait route la sorti Baron, arriver juste Rankit. De façon, si on a sorti au Cap pour aller par au Prince, et là, on dit qui route on prend. Est-ce qu'on prend route nationale numéro 1 ou bien est-ce qu'on passe par Grand Rivière du Nord ou passe par Baron Rankit et pour aller Inch pour tomber par au Prince. Donc, nous commençons, dit président, merci, parce qu'effectivement, tant qu'on était promet nous, donc nous avons route là à fait et actuellement si on visite là après les matériels qui sur route Grand Rivière du Nord là et vraiment travail à avancer. L'autre bagaille qui réalisé la caille nous encore nous gagnons commune Baron qui pas te gagne l'hôpital nous gon dispenser et bien et nous gon l'hôpital cap construire et pour moun Baron donc dans la campagne moi tout nous te promettre li donc l'hôpital l'a construit. Ensuite nous gagnons tout dans Grand Rivière du Nord, nous quittons Baron dans Grand Rivière du Nord, nous gagnons l'hôpital Grand Rivière du Nord, là, et nous pas de côté pour nous mettre médecin au dormi. Eh bien, nous gagnons résidence, yon caille qui est en fin fête pour capable accueillir médecins infirmières qui travaillent dans l'hôpital Grand Rivière du Nord, là. Député Katier Morin, Esaïe Prophète, exprimé satisfaction par rapport à un ensemble projet qui déjà réalisé dans la commune et puis parler sous quelques autres projets qui ont pour exécuter dans l'intérêt de la population. Nous invitons à suivre un extrait. Population morinoise là, je vraiment remercier l'État haïtien par le fait que dans ce sens, il prend responsabilité. Quelques projets que nous faisons réaliser là, c'est la réparation des trois écoles de commune quartier moyen pour la rentrée des classes. Nous réhabilitons l'école nationale de Galmont-Dubla, nous réhabilitons l'école nationale de Kadouche et nous réhabilitons l'école nationale du centre-ville de quartier moyen. Ça, c'est niveau éducation. Nous arrivons maintenant en commune dans trois laboratoires informatiques. Nous avons un laboratoire informatique dans le lycée pour le jeune Magloire de quartier moyen. Nous avons un laboratoire informatique dans l'école nationale de Kadouche. Et nous avons un laboratoire informatique dans le centre professionnel de Grand Pré. Parce que dans l'examen baccalauréat qui fait un saut de bail là, il y a un lycée Paul-Eugène Magloire de quartier Morin qui bail un résultat approximatif de 85% dans le premier tour. Sur 105 élèves que le lycée a été voyé dans l'examen baccalauréat pour philo, il y a 80 qui passaient en premier tour, il y a 20 qui a journé et il y a 5 qui allaient, qui peut-être éliminés. Et dans le repêchage là, nous espérons que dans 20 ans, qui était à journée, bon pourcentage de 80 à 90% capable de réussir, qui va permettre que le niveau réussite là, il monte à 80 à 90%
au niveau du lycée de Pont le Jeune Magloire de quartier Morin. Au niveau de l'infrastructure, nous sommes capables de dire que l'enfer qui est arrivé dans la commune, pas de courant électrique du tout, pas d'aucune installation électrique. Et mais qu'on y a après 2 ans et demi, nous finalisons toute centre-ville de quartier Morin, pour que tout réseau électrique qui couvre centre-ville de quartier Morin est actif. C'est simplement qu'on y a un bon problème d'alimentation. Qu'on y a sur la route également du plat, nous avons toute installation pour un réseau électrique de devant cimetière quartier Morin, rivière à Chastenois, de Carrefour Jésus, rivière à Tichari. Et nous faisons commencer un projet qui est financé par le ministère de la Planification à un montant de 3 millions de gouttes. Côté que nous baillons courant dans la deuxième section, nous commençons le réseau du côté de Nancerka. Il passait par Nantassi et le rivière Kadouche. Actuellement, là, nous avons l'autre projet d'électrification qui pourrait commencer. Côté que nous pourrons l'ouvrir encore un autre réseau électrique à un montant de 8 millions de gouttes. Pour la route de Galement du Plat, son route en terre battue, qui existait depuis l'homme fait quartier mauvais. Effectivement, le nous arrivons, nous avons déposé un projet au niveau du ministère des TPDC qui permet que y ait 1 km de route là qui bétonnait, qu'on y en a tant de président de la République là qui pouvait mettre mon galement du plat, qu'il y a fait 6 km là. L'autre dossier, commission chambre députée qui a une mission travail sous amendement constitutionnel présenté mardi 28 d'août là, rapport by société civile là et puis l'autre secteur concerné population. Cérémonie ça qui déroulé dans Pétionville permet participants de faire connaissance à contenu rapport amendement. Nous invitons suivre le compte rendu. Débat entendre, informer différents secteurs de la vie nationale là, sous processus amendement constitution. Pour journée ça, ces différents représentants de la société civile là, mêlés à quelques officiels qui étaient concernés dans le cadre de séance d'information ça. Changement dans le régime politique là, question des charges, conseil électoral et question nationalité là, c'est parmi différentes propositions, commission chambre députée a fait dans le cadre d'amendement ça. Pour ne pas encourager la discrimination entre haïtiens, nous proposons d'éliminer la question des catégories haïtiens que la constitution a été prévoit. Ou c'est haïtien, là on fait de yon papa, ou soit yon maman qui est haïtien. Les pour haïtien, pour devoir participer dans la vie politique du pays, à tout poste, cependant, poste président avec vice-président, mando qu'on haïtien de naissance et qu'on va jamais renoncer à nationalité. Pour question des charges, certificat des charges, qui causait un peu de problème, nous recommandons, pour question ça, sortir dans le parlement. Et à le régler au niveau pour des comptes. Nous recommandons pour y faire totalement rebâtir, reconstruire le procédure d'amendement qui est trop long. Nous recommandons que le quorum séance dans le Parlement change. Président Chambre député Agari Bodokwe, 30 l'année après la Constitution 87, là, pas arrivé pour tes résultats dans ce qui concerne les modèles société pays a besoin. Pendant sa liée travail, la commission chambre députée a souhaité un amendement en profondeur dans la constitution actuelle. La constitution, ça permet que la liberté d'expression, la liberté d'association, les jeunes qui ont souffert réunion au côté, ils ont entré là, ils ont calmement, mais ça nous est là, le logiciel ça nous est là, je dis, parce que ce n'est pas permettre que nous changions la vie massive. Il ne pas permettre que nous créions de meilleures conditions de vie, il ne pas permettre nous combattre la corruption. Et mieux aller plus vite, ben c'est mieux n'apporter bonne nouvelle. Pour le président du Sénat République, là, Joseph Lambert, le sénateur doit suivre même route travail, chambre députée, d'après lui, qui produit un bon travail. À coquin, et nous dénaturer, c'est autant de fois, n'a pas erré. Je dis, il est aussi vrai tout que. Question Petro-Caribe à tout, pas de traiter comme quoi, monde qui besoin de résoudre le problème avec monde, et puis tout mélanger avec le dossier Petro-Caribe, à l'intérieur de cette constitution que nous avons demandé, là, je ne veux dire, demander pour que chaque acteur, chaque institution, fasse effort, pour que vous compreniez sens et portée ensemble aux recommandations qui produit par la commission. Moi-même, personnellement, régime, changement de régime que vous proposez là, pour moi-même, il est nécessaire. Question de mon président, non mon premier ministre, non exécutif bicéphale, et premier ministre avec toute munition,
vient domestiquer par les sénateurs, vient domestiquer par les députés. Et pour nous trouver dans une situation de blocage. Il y a total 30 propositions composées rapport amendement commission chambre députée cap travail sur amendement constitution présenté. C'est une commission de 9 députés là-dedans, il y a une femme qui était montée pour faire travail ça. Groupe 4 sénateurs qui n'ont opposition dans le Sénat, Evalier Beauplan, Ricard Pierre, Antonio Cherami et Nenel Cassis, fait qu'on n'est pas intéressé à la question de monter un nouveau gouvernement. Cependant, si toutefois il y a un nouveau gouvernement, il y a continué le travail pour contrôler l'action exécutive là. Sénateur département l'Ouest là, Antonio Cherami, qui est membre groupe ça, et sénateur département Nord-Ouest là, Evalier Beauplan, qui tape expliquer position groupe là, a porté plus explication dans micro Colo Elisier et Moïse Wilbridge. Nous n'avons aucune négociation. Nous n'avons aucun gouvernement à participer là-dedans. Parce que nous campons derrière un principe que nous signons ensemble. Sous Premier ministre passé là, bravo. Un nouveau gouvernement, arrivé là, passé, bravo. Même attitude qu'on nous gagne là, fait bilan exécutif là. Mettez pression pour que au moins au minimum qu'il y ait une société là. On le cause ça, nous choisir rentrer là-dedans, sacrifier ça, nous choisir faire. Moi-même dans le secteur que Miam si on accord, à quoi ça va voyer mal supporter ni Premier ministre, à quoi ça va voyer mal non, ni partager poste avec moun. À quoi ça dit en nous bataille, en nous chita pour nous proposer en l'autre étape. L'autre dossier, journaliste Radio Télégalaxy, Jean-Robert Delciné, accompagné à avocat Peter Reynolds Delciné et puis secrétaire général association, journaliste haïtien Jacques Desrosiers, déposé une plainte mardi 28 août là, la dit la presse voix, suite à reportage qui était réalisé dans date 3 juillet passé à sous quantité employés qui travaillent dans Parlement. Bon côté par secrétaire général AJH la Jacques Desrosiers, dénoncé attaque avec menace journaliste la fait qu'on est la presse voix, dans son sens responsable association journaliste, souhaité la justice faire lumière sous dossier ça. En côté une après l'autre, explication qu'est Peter Reynolds Dessiné avec secrétaire général AJH la Jacques Desrosiers. Namiko Louis-Nel Jean-Louis ak Henri Robert Chéri. Responsabilité. Dans ce sens, nous constituer avocat, c'est moi-même avocat. Et puis, ensemble avec l'association journaliste haïtien qui représente là, et on l'autre confrère qui est bon côté, nous connaît dans la presse, pour être capable de porter plainte formellement contre X, qui est agi d'instruction lui-même, pour être capable de déterminer et dans quelles circonstances menace ça pour opérer, qui est-ce qui peut faire menace ça, et puis rendre une ordonnance qui est capable de permettre pour nous de répondre à la question de la justice par rapport à Jacques Malhonnête qui a promis ce journaliste. Nous connaissons Robert Delciné, il a gagné une série de reportages que réalisé au niveau du Parlement haïtien, côté que lui mettait en exergue la vie, une série de privilèges qui a bénéficié, même gens, avec une série d'employés, nous connaissons qui ont arrivé, entré au niveau du Parlement haïtien, dehors de toute norme qui a un rapport à la question de compétences. Eh bien, reportage ça lui-même, il n'a pas fait mon bien, et suite avec reportage ça, il y a des menaces qui a lancé. Liberté de la presse, c'est qui est garanti par la Constitution haïtienne. Nous ne pouvons pas tolérer pour un groupe de monde, quel que soit côté ou travail là, pour capable de faire menace aux journalistes, pour capable d'intimider les journalistes parce que ils rapportent une information qu'on juge qui parle en sens. Je dis, accompagné de avocats, AJH, qui vient déposer une plainte contre X, il une façon pour demander cabinet d'instruction, pour ouvrir une enquête, pour identifier les gens qui font menace à eux et pour faire ce que de droit pour la justice, pour les actes à eux, pas répéter encore. AJH, zéro li, n'en veille, n'en veille, n'en respect, liberté de la presse là, et Jean-Robert Delciné, c'est un membre association journaliste haïtien, et que nous avons obligation pour nous accompagner Jean-Robert Delciné, pour lui en condition psychologique, pour ne pas prendre intimidation, pour le faire travail. La président République, la Jovenel Moïse, distribué yon lot 13 camions compressifs by différents mairies dans le pays. Journée lundi 27 août 2018, là, dans le Palais National. Camion compressif sa yo allé dans plusieurs communes, tankou Cité Soleil, Pétionville, Marchand de Saline, Akin, Ak, Gomon. Objectif là, c'est éliminer question fatra dans le pays. Et puis, pour respecter promesse chef l'État te fait, pour accompagner collectivité yo dans tout niveau, et spécialement dans le programme. Assainissement. Sabine Jean-Étienne et Jean-Aël Duvernay, Abdinopis. Camion compressif continue à rentrer dans le pays pour faire service à assainissement. Flotte ça a gagné la donne, environ 13 compressifs.
Matériel ça yo vini environ 3 semaines après président Jovenel Moïse te distribué clé 37 camions ba yon premier groupe mairie dans pays a. Jodi a nou gen privilège et avec président Jovenel qui fait yon nécessaire et lui est priorité pour communauté capable rete propre pour pays capable propre parce que les pays ou propre ou ka fait tout bagay qui propre. Nous dit président Jovenel merci dans nos fédérations magistrats, dans nos toutes communes et dans nos communes qui peuvent bénéficier de tout, dans nos toutes communes qui bénéficient. Dans l'occasion entre l'école là, qui prévoit pour lundi 3 septembre qu'a vini là. Président République là, Jovenel Moïse expliquait réalisation ça, c'est respect promesse les fait collectivité yo, et puis dans l'idée pour combattre fatra qui tournait adresse pour moun rete. Chef l'État cité en pile l'autre travail administration là a réalisé dans moment ça. Bagay que nous dit et grand pile bagay dans ça nous dit que n'a pas fait mais c'est pas demain matin c'est encore au magistrat qui dit c'est des projets structurants même genre route carrefour joff pour aller en safou le magistrat Roman nan qui parler qui dit que le content dit ouais que dans bon la crêpe en pile travail drainage a fait travail a fait usine là qui là a travail pour d'ici peut-être un mois, il y a asphalt qui commence à essayer de faire dans l'usine. Ça veut dire, nous avons travaillé pour nous respecter gros promesses, nous, le barrage, l'irrigation qui a fait dans le pays. Études sous pleine bacon, nous avons connecté Paris déjà. Nous sommes jamais parlé de irrigation pleine ça. Études qui a fait sous Grande Rivière du Nord, qui pour aller ouzer, on partit dans pleine nord-est, pleine du nord. Mais, travail à fait, c'est pas demain matin, nous allons lever pour nous être toutes. Mais ça mande nous. Moi mande nous patience nous premièrement. Mais deuxièmement, accompagnement nous, compréhension nous pour nous connaître, il y a des travail qui fait dans le pays. C'est peut-être c'est pas même dans le mandat PAM. Moi, pour le bénéfice. C'est un droit de mandat président qui venir. C'est un droit de mandat président après à tout pour le bénéfice. Parce que grand travaux d'infrastructure, ce n'est pas des travaux faciles, ce n'est pas des travaux. Qu'on a campé un jour ou dit ou fait et décentralisation en tout, fond clair, j'en ai toujours dit, là, il y a pile commune n'importe où, par exemple, Pétionville, Cité Soleil qui vient comme ça. Mais c'est pas seule commune Port-au-Prince qui vient pas là. Série distribution compressive ça a rentré dans le cadre stratégique Caravane Changement qui visait un ensemble de projets de développement en Haïti à différents niveaux. N'a pris un souffle, rete branché, n'a tourné. Dans sport, responsable Fédération Haïtienne de football, annoncé pour mois d'octobre Cap Vinila, ouverture championnat national football féminin. À l'étranger, néerlandais Kevin Strootman, qui tape évolué dans l'équipe AS Rome dans la saison passée, signé jeudi à un contrat pour 5 ans en faveur olympique de Marseille. C'est sur notre salle, nous mettons un bout dans le journal là pour jeudi. À nous te prendre pile plaisir pour informer. Restez branchés pour la programmation. Bon après-midi tout le monde sur TNH.